incroyable. Salut YouTube, comment ça va? On va entamer quoi? Notre sixième, septième portion de vidéo, septième vidéo sur le jeu. On y retourne direct dans la lobotomie, direct dans l'envie, l'envie d'avoir envie. C'est formidable. On est là, je switch de scène. On a enlevé le logo indéfinitivement qui vous cachait, bien évidemment, le nom des stages. Donc ça, c'est fini. Et voilà, le chat en liesse. Allez, oui. Donc, nos stats sont relativement bonnes, bien entendu, parce que on a joué à Meat Boy par le passé, hein, moult fois, on a runné le jeu. Donc, nos stats sont meilleures que toutes celles que j'ai vues traîner pour l'instant sur les réseaux sociaux. Nous avons complété soi-disant 62% du jeu et on en est à 1789 morts. Et vu qu'on enregistre ceci le 14 juillet, eh bien, ça a beaucoup de sens. Cocorico. Allez, on est là. Allons-y. Je vous rappelle qu'on a essayé les mini-jeux de l'angoisse et qu'on a réussi, incroyable et vrai, le premier monde du Dark World. Et là donc nous sommes plongés dans le deuxième monde, Gloom, du Dark World. On peut retourner dans le passé et on voit que le layout n'est pas pareil. Donc on va pas être sur, forcément j'espère, sur une copie conforme du Light World. Light World qu'on a terminé à 71%, il nous reste moult tumeurs à récupérer et moult endroits secrets à découvrir. Musique trop fort. Et c'est bien ce que j'imaginais mais je n'osais y croire. Pourtant elle est à 10%, je sais pas pourquoi le son du jeu est si fort. Ça a sûrement fumé du mauvais shit. Merci beaucoup Manga Maniac. Et allons-y, allons-y. Oui. Retournons dans le turfu. Allez, je vais faire ça, je tente des trucs de ouf. Ah ouais, pas mal. Non, qu'est-ce que je fais? On va aller dans le Dark World. Dans le turfu. Et à Gloom donc. Alors, voyons voir. Mais il est où le petit ami? Ah non, on n'a pas de petits amis, souvenez-vous. Donc ici dans le Dark World, en haut à gauche, on voit le nombre de tumeurs que j'ai récupérées. Et le nombre de tumeurs vont me servir de vie pour ce monde-là. Donc il suffit juste, entre guillemets, de réussir ce monde. Ce monde, les 20 mondes de ce monde, sans perdre 240 vies. Ah ouais, c'est d'accord, c'est piégeux hein, quand même. Est-ce qu'il y a le retour? Faut prévoir le retour à chaque fois. Donc ça risque d'être un petit peu traumatisant. On va pas tout de suite Merde, on va pas tout de suite retourner sur les mini-jeux de l'angoisse. Là, je vais encore mourir, non, c'est bon. Les mini-jeux de l'enfer. Non mais non, j'appuie sur la gâchette pour pas mourir, ok. Je pense que je vais pas du tout les apprécier ces petits monstres là et ça va m'emmerder. Comme ça qu'il faut faire en fait, mais mieux que ça. Ok. Je perds des tumeurs quand je meurs mais je les récupère. Je les récupérerai. Putain mais, la gâchette encore. Ah oui je sais, faut toujours laisser appuyer vers la droite. C'est pas grave, hein. C'est le retour, c'est normal, on galère. Donc en fait il faut juste, si j'arrive à la fin de ce monde et que je retrouve entre guillemets l'endroit où on me propose d'activer la carte, eh bien Mais putain il me feinte. Je ressautais pour l'activer, oh j'en peux plus de ce jeu. Si j'arrive à la fin des 20 mondes, je récupérerai c'est toutes ces tumeurs. Voilà, c'est les Bonfire, exactement. C'est Dark Souls, un peu. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est le début, on régalère. Alors. Ah! Une seule fois! J'ai pas m'énerver.
Mais pourquoi celui-là? Ah oui, parce que celui du... Il y en a deux qui sont craquelés. Alright. Ils sont sérieux? Je crois qu'ils sont sérieux. Si vous êtes perspicace, vous avez compris ce que je dois faire. Ah non, on peut aller directement à droite. Je croyais qu'il fallait que je fasse un interlude par... en m'accrochant après les pics. Ok. Perd beaucoup trop de vie là pour l'instant. Ok, c'est bien ça. Tout simplement. Pourquoi se prendre la tête? Y a pas moyen de passer direct? Non. Bah si! Mais comment on fait après? Ah oui, d'accord! Ok, ok. Faut vraiment sauter une fois la corniche passée. Ah, il s'est pas accroché, petit bâtard. Mais accroche-toi, sac à merde! Il a une fâcheuse tendance, donc je suis obligé de repasser par là, voilà. Ne vous inquiétez pas. Trop tard. Ah, je vais mourir ou pas? Non. Pourquoi il s'est pas accroché, sac à merde? Sac à merde! Sac à merde! Merde, merde, merde! Mais merde! Il fallait bien évidemment ne pas faire de wall jump mais sauter en bout de corniche. Ah mais non, on le sait qu'on survit, abruti. Et on a déjà perdu carrément 50 vies. Non, non, on a dit on le terminera en... Mais putain! On le terminera en... En 100%. Mais non, mais putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Là, tu te poses là. Et tu t'accroches à... Mais accroche-toi, putain! On a réussi à faire le premier monde qui était sur Vénère, le premier monde des Dark World. Et on l'a fait relativement vite. Arrêtez de faire de la merde. Non, non, trop tôt. Voilà, je meurs tellement, je perds tellement de vie. Enfin, je perds de la mort au final. C'est ouf. C'est le truc, en fait, c'est peut-être l'élément qui fera que j'aurais pas envie de runner le jeu. C'est la précision absolument débile pour choper juste les corniches et pas le reste. Mais non, allez.
C'est peut-être là où il faut du coup faire un wall jump. C'est ça, on alterne. Putain, mais t'avais. David! Mais oui, mais on a envie d'aller vite pour pas se faire baiser derrière, c'est ça le problème. Putain, j'ai perdu, j'ai perdu 60 vies sur ce tableau. Ça promet. Et voilà, mais vu que j'essaie d'appuyer sur la gâchette vite pour attraper le, voilà, ce crochet derrière. Reste là. Attrape ton crochet, mais non, pas besoin. Abrutix. Donc là, je vais là. Et du coup, c'est wall jump dont j'ai besoin. Oui. Soit en longueur. Quand il y a soit en longueur, c'est wall jump. Ce qui est bien, voilà, c'est que j'ai même pas le temps d'analyser ce que je dois faire. Donc c'est bien. Comment c'est le serious business, hein? C'était obligé que c'était une baise. C'est vraiment des bâtards, hein. Donc le wall jump n'est pas assez haut. Hein? Ah! Merci beaucoup Oxydam, bienvenue. Merci. Est-ce qu'on peut le faire en une fois ou est-ce qu'il y a besoin d'un interlude? On peut le faire en une fois. Ah merde, j'avais pas vu derrière. Toujours regarder l'intégralité du niveau. Oh, c'est horrible. Allez. Sans saut, avec saut, avec saut. Non. Et pas de saut ici. Ok. Et pas de saut là-bas, mais saut après. Oh, c'est horrible! Ouh. Yo, Soblo! Bon, il n'y en a pas de craquelé là. Ah mais merde, je dois aller chercher la disquette là-bas là. En bas à droite. Ah oui, c'est ceux qui sont attirés vers toi. Elle est où la deuxième disquette? Je vois pas. D'accord, en haut à gauche. Eh bah oui, c'est toutes les boules en fait sont attirées vers moi. Tel un aimant. Donc c'est dégueulasse. Ah, pas celle-là, visiblement. Ah, mais ça y est, elles sont réveillées. Ça aurait été pas mal de regarder un petit peu avant. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Possible ou pas?
Ah oui, mais le gros n'avance pas, idiot. Oh là 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 là, sainte merde. Ok, la disquette en haut à gauche, bien sûr. En fait, pas d'embrouille, hein, faut toujours... Ah d'accord, faut toujours chercher la méthode speedrun. Ok. Ah, il y avait moyen de... Il y avait sûrement moyen. Ah, il y avait moyen tout de suite. Ok. Ok. Connerie. Connerie. Quel enfer. Et donc on va falloir utiliser ces connards. Ok. Là aussi il y a moyen sûrement. Ouais. Ah non, ah il faut attendre sinon. Ah mais non mais... Ah c'est horrible. Horrible. Ah bien. Ah d'accord, ça se tentait. Putain, mais quelle angoisse. Quelle angoisse. 132 vies, on est à quel niveau? 14. Bon. Quand même falloir faire gaffe, hein. Ça paraît fou, mais oui. Peut-être là, ça passe. Ouais. Super. D'accord, il s'approche de moi direct. Super, c'est génial. Ok. Faudrait que j'arrête le swag, mais je me demande si c'est pas possible d'arriver au deuxième bloc direct. Il faut peut-être que j'arrête le swag. Putain, quel enfer. Mais putain!
Ah, d'accord. C'est cocasse. Disquette au plateau précédent. Ah oui, il va y avoir un passage, c'est ça. Parce qu'il y a des crochets à des endroits bizarres. Ou pas. On va dire qu'on s'en fout. Alors. Ah mais d'accord, on peut faire ça. Ah, oh là là, ok. Bien sûr. Ah, c'est en haut, là. Vous voyez en haut? Il y en a deux qui speed. Quel enfer. Ah, non, non. Tout le monde y speed, ok. La boule magique. Ok. La boule magique. Ah, il y a parce qu'il y a un pic là-bas aussi. Holy shit, conseils sont sur place, oui ça va se aussi. Merci beaucoup petit barpin. Petit barpin. Oxydane, oui. Et Dylando. Merci beaucoup. D'accord. Trop tard. Sans cette vie, allez pour deux niveaux. Ah oui, d'accord, il y a les. Vous voyez à gauche et à droite là. C'est des trucs qui vont. Ah non. Je croyais que c'est les trucs dégueulasses là qui se développent et qui vous pourrissent. On a des... Pourquoi on a des... Ah oui d'accord, il y a une disquette. Mais je pense que c'est trop simple. Là, il y a une couille. Ah non. Là, je meurs? Non. Quoique le retour... Est... Non, en fait, c'est pénible. C'est vrai que c'est un peu pénible. Il y a une grosse ouverture derrière ça. Ah non. Attendre un peu. On va essayer de passer à la solution offensive.
Oh là là. C'est dans les Dark World qu'on... en fait, que les tumeurs qu'on a récupérées nous servent de vie pour compléter chaque monde. Je récupérerai mes tumeurs si à la fin de ce niveau. Ou si je reviens au début et que je check... si je reviens au niveau 0 de ce monde. Il y a une disquette ou pas? Non, c'est juste de la plateforme et éviter ces merdes, d'accord. Ok. 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 Comment j'ai paniqué tout seul? Dommage. D'accord, dommage. Et du coup, je me retrouve exactement au même moment que tout à l'heure, alors qu'en fait, en allant vite, comme ça, ça devrait aller. Tac, tac, merci, hop, go. Hop, hop, hop. Allez, salut. Oui, c'est ça, Mintos, t'inquiète pas. Oui, donc ça a tombé à chaque fois. Ah ouais, c'est un peu tendax. Allez! Easy money. Et Blight donc next. Que du bonheur. Et du coup voilà, je récupère mes 238 tumeurs. Parce que on n'a pas récupéré les 300 tumeurs dans le premier monde. Ça donne presque envie de faire une pause dès maintenant pour faire des VOD par monde. N'est-ce pas? Ouais, on va faire ça. Allez, des bisous YouTube. Mets tous les post-blogs de l'univers.